On se dit 10 rencontres, en vrai ça va aller vite, mais en vrai c'est vrai que c'est long. Ah. Vu que le flanc que ça a été à l'E3 2019 pour Pokémon, comment ça le flanc? C'était quoi le flanc? Je me souviens plus moi. Qu'est-ce qui s'est passé l'E3 2019? C'était quoi le flanc? Qu'est-ce qui vous a pas plu? National Dex. Oui, mais ça c'est les gens qui comprennent pas qu'à un moment donné, c'est normal que ça arrive. Ça aurait dû arriver avant en vrai. Mais on l'avait dit qu'il tomberait avant la fin du stream. Et surtout on l'avait dit qu'il tomberait avant les 1000. Aïe 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 aïe. Alors que ça parle mal du National Dex, n'hésite pas YouTube à nous dire ce que tu penses du National Dex évidemment. Dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi le National Dex devrait encore être présent aujourd'hui? Pourquoi c'est une honte? Une honte que le National Dex ne soit pas présent dans les jeux. Dis-nous tout, hein, dis-nous tout en commentaire. Je m'en délecterai évidemment en les lisant. En attendant, en tout cas, j'ai mon petit Galekidd qui vient de tomber en 941 hordes. Terrible. Alors je crois que j'ai eu un petit problème de micro, c'est pas grave. En 941 hordes, pile, enfin pile non, 941 hordes, c'est horrible. Ça a été extrêmement long, j'avais très peur de tomber sur un Osteo-Raptide. D'ailleurs je vais brancher ma console parce qu'elle n'est pas branchée. Donc a priori, hein, vu que j'avais manié piège, j'avais 70% de chance de tomber sur Galekidd et 30% de chance de tomber sur Dosphère. On est tombé sur Galekidd, moi ça me va évidemment très très bien, je suis très content. Galekidd qu'on va devoir faire évoluer en Galeking comme tu le vois là-haut, et qui du coup complétera sa famille puisque j'ai déjà Galekidd et j'ai déjà Galegon. Donc parfait. Parfait, parfait, tomber sur lui directement, j'ai très peur d'un se faire tirer. Bref, la capture c'est dans quelques instants, YouTube, c'est parti. Et ben, vous savez quoi? Ben on est parti pour s'emmerder parce qu'en fait j'ai rien qui touche à 100%, donc voilà. Donc bah c'est parti pour l'emmerdement, let's go. Bon, mon premier coup à toucher déjà, c'est très bien. Très très bien. Très très bien. Si ça peut faire la même ensuite, je suis à moins 6 en précision, hein. C'est très compliqué de toucher. Oh là là, j'ai pas envie hein. J'ai pas envie hein. Allez, fais un effort. Fais un effort. Oh putain. Bon, ça va être un peu chiant, mais ça va aller hein. Enfin, j'espère. J'espère très fort. Switch, non, j'ai pas switché, ça servira à rien. Je vais me reprendre les mêmes coups de boue, ça servira à rien. Voilà, il a fermeté en plus. Oh là 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 là, quelle vie hein. Quelle vie. Et pourquoi j'ai pas... D'habitude j'ai toujours un Gardevoir sur moi, notamment pour ces cas de figure là, parce que j'ai une attaque feuille magique qui permet de toucher à 100% les Pokémon, peu importe la stat de précision. Et là, non. Là non, hein, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Mais après oui, je vais très certainement re-switcher un coup. En fait j'aimerais bien en tabasser encore un, et ensuite switcher, parce qu'il y aura assez peu de chances qu'il me fasse deux fois coup de boue. Voilà, merci. Merci, merci. Donc là, je vais re-switcher sur je sais pas quoi. Je vais quand même faire gaffe parce que je bourre les touches depuis tout à l'heure. Faire attention à ça. Ok. On va mettre Milan à faire ça. Je pars sur qui? Apirène, peu importe. Est-ce que j'ai une attaque qui tape solo sur Apirène? Capacité. Lame d'air, piqûre. La piqûre, ça peut taper en mono. Mono cible. Parti. Oui, je vais vachement test de voir si le Galekid il a fermeté. Hein. Par contre, mon Apirène il a pression. Je sais pas si vraiment c'était la meilleure idée du monde, mais bon. Eh mais attendez, mais je suis immunisé aux attaques sol. L'air d'un con, mais pas con. Regardez, grâce à ma technique américaine, je suis en capacité d'esquiver les coups de boue puisque je vole. Je suis un génie. Je suis un génie incompris. En fait. Même moi, je me comprends pas. Je suis tellement fort que même moi, j'oublie que je suis fort. Salut bien, salut Flamparzi. Oh, ça faisait longtemps toi. Comment vas-tu? Piqûre, pas le shiny, attention. Voilà. Il a fermeté bien sûr, histoire qu'on s'emmerde. Histoire qu'on s'emmerde bien. Parce que c'était pas suffisant encore là. Voilà, on est bon. Et voilà. Le shiny, il est tout seul. On va pouvoir... Est-ce que je safeise vraiment là? Ou est-ce que je pars direct sur une bolle? Quelle bolle on met pour Galeking, tiens? À part la luxe. La scuba? Je sais pas si la scuba passe bien. En vrai, si j'avais eu la masse ball, je l'aurais mise, mais... Mais non. La chrono, oh, bof hein, quand même. La filée. Ouais, la filée. Peut-être la filée. Peut-être. Vas-y. Hop. Pas de capture critique. Et ressort direct. Ok. Je vais peut-être re-switcher sur Champignon, en vrai, pour essayer d'économiser les PP du Galekid. On va faire ça. C'est un peu... C'est beaucoup de... Voilà, hein, mais on va y arriver. Évidemment, il fait coup de boue. Évidemment. Évidemment que sur le switch, je me prends un coup de boue. On va quand même tenter le sport qui avait 100% de chance, mais du coup, ce sera un peu moins maintenant. Ok, ça passe, c'est parfait. Et on va retenter la filet ball. Capture de haut vol, ça. Hein. Capture de haut vol. Capture critique. Et il peut ressortir. Hein. Il est rentré. Parfait. L'évolution. Tout de suite. Cataracta évolue. Incroyable. Alors pourquoi Cataracta? Cataracta, une maladie qui touche les yeux, hein, qui donne pas forcément les yeux rouges, mais bon. On avait appelé Myxomatosa, le Galegon, et le Galequid, on l'avait appelé Galactivite, pour référence à d'autres maladies qui touchent les yeux, donc on s'est dit voilà pourquoi pas continuer ce truc là, et je trouve que Cataracta lui va très bien, c'est un nom un petit peu bourrin, un petit peu vénère, et il est très très beau ce shiny, magnifique, j'aime beaucoup en vrai Galeking, c'est un Pokémon que j'aime bien, et en shiny il est plutôt sympathique. Bref voilà, on se retrouve avec Cataracta, le Galeking femelle, qu'on vient de choper du coup en shiny, en 941 hordes, je le rappelle, hein, ce qui est un chiffre quand même assez, un nombre même assez conséquent pour cette méthode de chasse. Mais voilà, coup de temps en temps, il est normal que la chance s'équilibre et que j'ai un peu moins de moules en horde. J'en ai vraiment beaucoup, hein, en général ça tombe très vite. Donc voilà, ça compense. Il est l'âge nature, ça monte la défense, ça baisse la défense P, c'est évidemment dégueulasse. Pour ce Pokémon là, la hausse de défense est très bien, sa meilleure stat, mais la baisse de défense P fait mal puisque ben voilà, on en a déjà pas beaucoup, on aimerait bien la garder. Cette stat de défense P, donc tant pis. Tête de roc en talent, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça lui permet d'éviter les dégâts des attaques de recul. Il en a quelques-unes intéressantes, donc pourquoi pas. Je sais pas si c'est son meilleur talent en stratégie, mais voilà, ça n'est pas son talent caché en tout cas. Merci le chat. Pas d'attaque particulière pour son niveau, et pas d'IV à 31 non plus, hein. On était en horde, donc tout ça est normal. Voilà YouTube, on s'arrête ici pour cette vidéo. Les gens sur le chat t'ont dit voilà un petit peu comment la soutenir, on voit voilà, des bails YouTube. Like, commente, abonne-toi, tout ça, et n'hésite pas à partager la vidéo, viens nous rejoindre sur Twitch et dis-nous bonjour. C'est sympa pour le référencement, pour nous et pour le référencement. Merci Aguilar. Voilà YouTube, tu sais tout, n'hésite pas à soutenir tout ça, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou ici directement sur Twitch, si tu fais le déplacement je suis là-bas. Merci de soutenir tout ça, et à très vite, des bisous.